on ne veut pas de femmes parce qu'elles ne peuvent pas soulever les outils, elles ne peuvent pas déplacer ceci, elles ne peuvent pas porter cela. Ben, écoutez, aujourd'hui, je suis désolée, mais il y a tous les moyens. Bien sûr que c'est une question d'argent, bien sûr que ça coûte, mais aujourd'hui, la santé du salarié au poste de travail, elle coûte aussi. Donc que ce soit monsieur qui vieillisse ou madame qui se fatigue, c'est bien la même chose. Donc vous avez dans les deux cas la solution à trouver. Alors faites-le. Et du coup, vous ne pouvez plus me dire qu'une femme ne peut pas y aller. Nous envisageons très sérieusement de leur faire conduire des engins comme les Fenwick, parce que là aussi, à faire de statistiques, en voiture, elles ont moins d'accidents que les messieurs. Et donc, comme nous, nos caristes ont plutôt tendance à se prendre pour Schumacher, eh bien, nous nous avons pensé que ces dames seraient plus respectueuses à terme du transport des contenants de marchandises, des emplacements sur lesquels elles doivent les stocker, des murs éventuellement qui sont derrière, des carreaux que aujourd'hui les fourches de ces engins transpercent allègrement, et que nous aurions du règlement. C'est pénible, c'est plus dur, elles vont plus vite être malades, j'aurai plus de problèmes, j'aurai ceci ou cela, hein, et qu'elles ne réfléchissent pas en disant bah, si je mets tel et tel moyen pour alléger le port ou la manutention ou quoi que ce soit, bon, elles pourront y arriver. Et puis de toute façon, les collègues en profiteront. Et moi, en termes d'arrêt de travail ou de pénibilité ou de santé de mes gens, je suis gagnant. Donc pourquoi pas? Je ne me sens pas pionnière, je me sens logique. Car les gens qui viennent de l'extérieur s'imaginent que l'entreprise, c'est bagne, c'est sale, ça sent mauvais, c'est noir, c'est gluant, c'est polluant, c'est plein d'huile, c'est des cadences infernales, enfin, je vous en passe, et des meilleurs. Bien non, c'est un lieu où on a le droit de devenir quelqu'un, on a le droit d'aller à la rencontre de soi-même, on a le droit de connaître ses limites, on a le droit de prendre des risques. On a le droit d'apprendre un métier, on a le droit d'avoir le champ d'amitié qui se noue à chaque fois qu'on travaille. Et puis on a le droit de participer à un projet d'entreprise. Souvent on voit l'intérim comme des négriers, hein, des marchands de main-d'œuvre sans scrupules. Bien c'est souvent une énorme opportunité pour les jeunes. Parce que de plus en plus, les entreprises les forment, leur donnent un métier, elles s'occupent, puisque nous, on le sait, on prête notre école de soudure, nos installations, à certaines entreprises d'intérimaires. Et donc ça donne l'opportunité à ces jeunes-là d'être repérés, formés, d'avoir un diplôme et de partir dans la vie. J'ai travaillé dans des entreprises où c'était des ingénieurs commerciaux. Bac plus 5 pour des marchés, des sociétés, pour des techniques de pointe. Généralement, les femmes s'en sortaient mieux. Commercialement, en parlant, elles avaient plus d'atouts. Le problème, c'est qu'elles se mariaient, comme tout le monde. Et à 30 ans, eh bien, elles disparaissaient un petit peu pour enfanter, ce qui est normal. On les fait à deux, ces choses-là. Et les responsables avaient toujours une crainte de nommer une femme responsable, craignant sa disparition dans la nature et se disant ben, « tout mon investissement commun va tomber ». Et quand elle revenait déjà, alors que lorsqu'elle partait, elle va être absente un an. Et elle revenait 3-4 mois après, ils n'avaient pas vu le temps passer, mais c'était organisé. Ce sont de faux problèmes, mais pareil. On est tous englués dans des représentations qui ont la peau dure, vous comme moi. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, dans un couple, les deux salaires comptent.
Dans le temps, il y avait celui de monsieur et puis madame travaillait ou ne travaillait pas. Aujourd'hui, il faut que les deux travaillent, c'est clair. La vie est assez chère pour qu'il faille compter sur deux. Donc il n'y a pas un partenaire noble et un sous-partenaire. Donc pourquoi pas former de la même façon les deux et donner la chance aux deux. Et puis après tout, il y a des pépins dans les couples, hein, ils peuvent se séparer et chacun a son métier. Pourquoi ne pas penser comme ça ?